Salut, 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 c'est Paul. Alors, ce soir, j'ai mis mon beau costume, car nous allons parler d'argent, de Pokémon, et on va faire du business, d'accord? Alors, ce soir, je vais te proposer une activité avec toi, à partager, toute simple. Toi, t'as juste à te relaxer. En fait, j'ai acheté, si tu le sais pas, si t'as pas vu les ouvertures, j'ai acheté il y a quelques mois 80 boosters Pokémon, la voix du maître. J'avais ouvert à 20 boosters par vidéo. Et j'avais obtenu une carte dedans qui peut valoir plusieurs centaines d'euros si elle est bien notée par la compagnie PCA. Cette carte-là, je vais l'envoyer demain ou après-demain, je sais pas, je viens de faire la commande. Mais nous, ce soir, on va s'occuper de mes autres cartes rares un peu moins cher. On va pas s'occuper des communes, des solos, des jungle. Voilà, celles-là, je vais les vendre en lot, je pense. Voilà, je vais pas en faire une vidéo estimation avec toi. Mais je vais faire une vidéo tout de suite. On va estimer mes cartes un peu rares, d'accord? Donc, j'en ai pas énormément, elles sont pas rares de ouf, c'est pas des trucs qui vaut cher non plus de ouf, mais j'ai quelques fantômes quand même. J'en ai deux, trois, enfin bref, on va faire ça ensemble tranquillement. Je vais juste, même si c'est des cartes qui valent que 2 euros, tu vois, on va faire ça ensemble. Je vais pour chaque carte, donc, aller voir son prix sur eBay et voir surtout les dernières ventes réalisées ces derniers jours pour combien la carte s'est vendue, tout simplement. Donc, j'utilise la technique de David Lafarge, Pokémon. Tchati, voilà. Il va sur eBay et il regarde les dernières ventes qui ont été réalisées. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai mon portable, ma feuille. Se fait bloquer pour truc suspect.
73 sur 73 a été vendu 6,50 €, 4 €, 2 €, 4 €, 1. Je le revois là, 2, là je le revois à 2, à chaque fois il y a 2 de livraison, là il a 2 aussi, là il a 4. Il a 4, bon, on va dire 4 € du coup. Il a été vendu pas mal de fois à 4 € en enchère. Donc si jamais ça remarche, eBay. Voilà, on va dire. On va dire 4 € pour le Waylord. Même si de toute façon, voilà les enchères. Ça dépend des gens. Là il était vendu offre direct 4 €. Thank you.
secret de VMAX. C'est la numéro 75 sur 73. Donc, on va voir tout de suite ce que ça vaut. J'en ai vu passer à 25 euros là. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des contrefaçons chinoises à la con qui valent 5 euros. Alors que c'est des trucs qui valent des centaines d'euros. Il faut faire attention sur, sur eBay. Hein. Tor. Là, on en a un qui a été vendu à 30 euros. À chaque fois, je dis pas les frais de livraison, hein. Je dis que le prix de vente. Là, elle a été vendue à 25 euros. Il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Là, elle a été vendue à 25 euros. À 28. Si tu rajoutes les frais, c'est les 4, la 4. Là, il y a une enchère, il y a
5,50€, sans compter la livraison, sinon en tout ça fait 7€. Donc c'est le violet moi que j'ai. Là il a été vendu à 5€, là il a été vendu à 7€, là il a été vendu à 5€, là il a été vendu 4,85€. 7,50€, là 12€, ok, là 12€, ok. Tu m'étonnes qu'il ait vendu à 3€ là, si normalement ça vaut à peu près 10. Là il a vendu 3. Non, c'est une réplique, c'est une réplique, tu vois, c'est pas le. Oula, c'est comment ça rate des répliques aussi? Là, il a vendu 14, ok, ça a l'air d'être dans les alentours de 10-12€. Lui, il a vendu 1€, alors qu'il y en a qui le vendent 9. C'est très bizarre, je vais quand même le mettre à 9-10€ minimum. Ouais, 10€.
euros. D'accord. Moi, finalement, il est moins cher que l'autre. 10 euros, 20 euros sur une enchère allemande. Ah oui, parce que tu l'as en normal. En normal, il est un peu moins cher. C'est souvent comme ça. Là, il a été vendu 18 euros. Il faut 19. 19, 18. 18. Du 30 euros, mais c'est au Royaume-Uni. Ok, 15, donc entre 15 et 20, quoi. Allez, entre 15 et 20. Ok, bon, bah finalement, il vaut moins cher que notre Torgam morte. Chaîne avec Félin Vernot V. Donc il y a des cartes que j'ai en double, dont Félin Vernot, donc je les ferai pas, celles que j'ai déjà faites. J'essaye de faire les enchères, peut-être faire un compte sur mon portable, voir si ça me panne direct. Fais l'inferno, il a été vendu 4 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5. J'aime bien le carillon.
Celle-là juste avant. Florizarre V. Putain, j'ai encore fermé la page IP. Alors. Florizarre V. Bim.
127. Je te dis à très